tout le monde, bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Encore une fois, nous comptons avec vous. Jeudi, qui c'est samedi 19 février 2020, l'occasion, 6e et dernière sortie émission Paola. Venez-vous à Sport ou bien sur plateforme ça, faire nous live news, faire nous ciné tout le monde qui a fait nous déjà à bord. N'abusez vous, merci et surtout, pas oublier, partager live là. Je dis un c'est samedi, donc c'est pratiquement dernier jour. Mais maintenant, il y a une semaine qui était vraiment surchargée avec en pleine formation sur le sport, spécialement sur le football. Sur l'émission qui est très très spéciale, puisque sur l'émission qui a gagné pour les clôturer ce maintenant dans l'information sport, sous Fernando Live News, avec Fernando Estimé. Donc, une semaine qui était vraiment chargée de là avec l'information sur le sport, football, donc en Haïti et surtout à l'étranger. Et si nous voulons faire quand même un résumé des acteurs de la semaine dans le football là, nous ne pouvons pas parler de l'évaluation qui a été avec Cavani qui était vraiment et donc dénoncé officiellement et donc participation dans la question Ligue des Champions de CACAF. Nous pensons déjà Cavani même qui n'a pas eu une visa pour effectif. Donc il était obligé qu'on l'aide avec donc CACAF pour qu'il ne fasse pas de donc Andy et Jean pour capable aller coller autour des mais sur cela, donc ça devait faire un peu la pile la presse ici, Cavani lui-même qui était à l'école. Donc c'était un peu nouvelle la prochaine dans le football haïtien. Donc ça a été quand même un goût amer, donc un mauvais goût, un tableau noir pour le football haïtien, puisque nous connaissons qui est haïtien. Donc le football lui-même lui demandait un pile moyen, lui demandait un pile dépense à tous les niveaux. Donc nous avons compris qui nous fait tout ça, nous connaissons. Pour le voir au conditionnel de la Sudan et puis arriver pour dire que les gens vont aller pour poser qui va vraiment dépanner eux-mêmes. Donc c'est vraiment un barrage inacceptable, mais quand même c'est une réalité. Nous sommes obligés d'accepter. Donc c'était un peu ça qui a gagné en Haïti et dans le football pendant ce lundi même. Donc rapide vite, donc le printemps, 50 ans, nous dépassons des questions Cavani arrivé dans la sélection haïtienne de football là, équipe haïtienne qui est beaucoup de femmes. Donc, si tu vas t'engager dans la question éliminatoire et Coupe du Monde pour 2023, donc, bon côté, mesdames. Donc, tu as un match avant hier, c'était jeudi, donc Haïti, Honduras. C'est eux-mêmes qui étaient, donc, en match, qui ont démarré dans le travail. Ça, c'était, donc, un début pour les villagers, qui eux-mêmes, malgré nous connaissons moins ici, pas répondre. Donc, nous connaissons ici, football, les mots depuis quelques temps. Le football n'a pas réussi même, beaucoup de cas, beaucoup de femmes. Le football n'a vraiment pas envie, et malgré ça, quand même, Haïti était obligé d'aller donc, entamer campagne éliminatoire, Coupe du Monde. Beaucoup de mesdames, Haïti lui-même, tu commences par le timide. Bon, donc, en plus, joueuse qui sortit et à l'étranger, surtout en France, tu as parlé de Yamon Désir, donc, il y a autant de joueuses qui viennent dans l'équipe ça, et malgré quand même, absence de Moutapo Comentina, qui est une joueuse importante dans l'équipe ça, dans l'équipe très roumaine. Donc, ce sont une joueuse qui quand même passé une présentation. C'est un monde qui était dans l'émission de ça, qui était double buteur, avec double buteur pour qu'il va essayer dans la Coupe du Monde, qui est une joueuse qui vraiment a un pile bagaille devant lui. Donc, malheureusement, tu as absence dans le groupe ça. Et malgré absence de Comentina, donc Haïti quand même arrivé, donc fait un bel début. Donc quand même, ils ont un bel début pour l'équipe haïtienne et malgré la préparation et donc qui n'est pas vraiment suffisant pour l'équipe ça, mais l'équipe quand même fait forte impression devant l'équipe pour dire qu'elle bat 6 goals à 0. Donc Haïti quand même fait un bon début. Donc c'est ça important dans la compétition. Donc parce que c'est ça quand même dans ce moment dans le football haïtien. Donc c'était donc le début, donc on dit remarquable de l'équipe haïtienne en campagne éliminatoire Coupe du Monde et donc Australie 2023. Donc Haïti a gagné donc équipe et Honduras là et 6 goals à 0. Donc en plus on a posé la question, donc qui ça Haïti va le bail puisque Haïti football va jouer et c'est bien tard qu'ils ont eu ici pas de game match, pas de pour équipe ça. Donc avec quand même un coach français qui c'est Nicolas Delphine qui est même c'est le même cap dirigé et tout ça. Donc, c'est une préparation quand même qui va être faite et tout le monde a posé la question. Est-ce que Haïti est capable de battre l'équipe on dirait ça et continuer avec la préparation pour pouvoir arriver à jouer
Coupe du Monde, donc non, et donc catégorie ça. Donc c'est senior, donc c'est beaucoup de femmes. Donc Haïti lui-même, qui ça fait longtemps, a cherché une place qualificative pour la Coupe du Monde, donc non, et senior, puisque nous faisons en 2014, mais c'est du passé quand même, puisque son pays comme ça Haïti. Donc tout ça qui fait passer nous, tout ça qui débrouille, donc obligé à l'histoire. Parce que la Coupe du Monde, longtemps que ça a été dans la réunion. C'est vrai, dans la catégorie junior, nous faisons, avec 17, et beaucoup de femmes nous faisons tout, mais c'est dans la catégorie junior. Maintenant, pour un petit senior, donc son passe qui vraiment a cherché, et ça fait longtemps, et ça, tu es questionné donc, autour de ça, dans le semaine de ça, donc, qui est Haïti pour faire une préparation suffisante pour être capable de venir une place qualificative pour la Coupe du Monde, donc senior. Donc, parce que ça a été une tournée encore sur table comme question. Puis Haïti lui-même, le football n'a vraiment pas joué pendant les tout ça, parce que nous connaissons ici, le football n'a pas joué. Tout le bagage est dans le pays, ce pays qui n'a pas marché à tous les niveaux. Donc, le football n'a pas réalisé un match ici. Nous sommes obligés à réaliser un match, c'est dans Félix Sanchez, en terre voisine, dans le stade olympique, un stade qui est capable de prendre, on va le dire, 35 000 personnes. Donc, c'est là, Haïti lui-même, pas de gain pour lutter, recevoir équipe Honduras. Donc, on peut commencer quand même réussir pour qu'il ne soit pas Honduras. 6 goals à 0 avec plusieurs joueurs de marque parmi eux. Il y a Chelsea, il y a Borgela, donc Cherby, je dis autant de monde qui était buteuse pour l'équipe haïtienne. Donc Haïti, quand même, dans le match, il fait un début quand même réussi puisque il bat Honduras et 6 goals à 0, mais parallèlement, il y a un coup qui s'est coupé, donc qui bat lui-même, il était battu le Jean-Bernard Dine, 3 goals à 0. Donc, dans le groupe, ça, qui gagne 4 équipes, qui gagne dans Haïti, Honduras et Cuba, et puis c'est bien ça. Donc, Haïti lui-même, avec la différence de l'équipe, Honduras a 6 à 0. Donc, Haïti a gagné 6 à 0. Donc, le prêté classement et groupe A, il y a devant Cuba, Cuba a 3 points, avec 3 points, donc 1 victoire, 3 à 0. Et puis, et Honduras, et puis c'est bien ça. Donc, Haïti a gagné rendez-vous pour demain dimanche, là, à côté de. Et 2-5 ans pour le deuxième match face à l'équipe Saint-Vincent et parallèlement à bien donc qui on dira face à l'équipe Kiba. Donc c'est classement groupe et A qui a continué dans le cadre de la campagne éliminatoire et Coupe du Monde pour 2023. C'est surtout pour côté de la senior. Donc c'est pas le pays Australie. Et donc et de Haïti, n'a pas en direction et donc en l'Europe, en étranger, pour nous parler et donc. Et ce championnat 5 majeur en Europe. Donc, comme toujours, les samedis, il y a ce championnat majeur. Nous connaissons toujours l'actualité pendant le week-end, mais parallèlement, pendant la semaine, ça, donc, avant nous revenir dans 5 majeur, il y a un résumé bref. Donc, question Ligue des Champions, il y a aussi Europa League. Ligue des Champions, il y a 4 matchs pendant la semaine, ça, donc, qui est défini, et il y a Europa League. Donc, c'est comme ça que tu commences et pendant la semaine, c'est qu'il y a aussi quelques matchs dans le championnat en Europe. Donc, pour arriver dans le calendrier, dans le cadre de 5 matchs pendant un week-end, ça. Donc, le week-end, ça, étant tout week-end, il y a un pile match dans la programmation 5 matchs en Europe. Et ça a commencé depuis hier avec plusieurs matchs qui ont déjà commencé à jouer. Donc, pour nous, il y a une programmation 5 matchs. On a commencé d'abord en France, dans Ligue 1. En France, il y a juste pas la 25e journée de la France. Et ça a commencé hier, depuis vendredi hier là, avec un match avancé dans la journée ça. Hier, le match avancé, Lille fait un match nul vierge, 0-0 avec Metz. Ça a commencé depuis hier. Il a continué jeudi avec deux matchs. D'abord, jeudi à 11h, Lens a recevoir l'équipe olympique lyonnaise. Et puis, Nantes a bien pour recevoir Paris Saint-Germain à 3h. Paris qui réduit son victoire sur Real Madrid 1-0, c'est la réponse de personne. Paris a gagné pour les déplacer à Juventus, Kainan. Donc, les protéger des Hunters, pour qu'ils nous même après pour les déplacer. Donc, eux-mêmes qui sont leaders, en Ligue 1, après pour les déplacer à Juventus, Kainan, équipe maintenant. Et puis, un dimanche, il y a un quatrième match pour clôturer Juventus, dans le championnat de France. D'abord, dimanche, nous avons reçu l'équipe Angela, Lorient a reçu l'équipe équipe Montpellier, Stade de Reims a reçu l'équipe Saint-Gétoire, toujours à bien Stade Rennais a bien voulu recevoir le dimanche dans le Stoise, demain,
a gagné Strasbourg, a bien pour lui dépasser avec l'équipe sélectionnée. Bordeaux a pressé par l'équipe Monaco et puis Marseille a gagné et donc pour lui recevoir Clermont. Donc c'est ma capacité. Avant de ça, Paris est toujours en tête avec 59 points. Trendel et Marseille 46 points. Troisième Nice 42 points en position. Quatrième Strasbourg lui-même a gagné 41 points en déplacement. D'abord 17e Lorient et 21 points. Et c'est quoi avec Sélection, 19e Metz 20 points. Et c'est quoi avec J.O.N. Bordeaux. Voilà le placement, Chevalier de France, de première division de la France, direction Allemagne, non Bundesliga. Allemagne, cap dominé par Bayern Munich. Après tout, dans le week-end, ça, c'est quoi la 23e journée. Et ça a commencé depuis hier avec Victor Mahrez, 3 goals à 0. Sous équipe Bayern Leverkusen, il a continué jeudi samedi avec environ 5 matchs. D'abord, jeudi, a gagné et a mis la Benfica contre l'équipe Union Berlin. Et donc, il finit déjà, il jouait c'est 0-0. FC Augsbourg, la Rallye perdu 0-1 devant l'équipe FC Fribourg. Matin toujours, Macabre, Wolfsburg, Offenheim 0-0. Stuttgart pour l'équipe VfL Bochum, c'est 0-0. Et puis Cologne, Eintracht Frankfurt, c'est pas à midi 30. Donc c'est pas pour jeudi à la Bundesliga. Et puis demain, dimanche, il y a bien 3 matchs qui ont clôturé 23e journée, championnat d'Allemagne, de première division. D'abord demain, Bayern a présenté l'équipe Greuther Fürth. Donc on a présenté l'équipe Bonne Machine Galbacha. Et puis Hertha Berlin a gagné pour lui recevoir. RB Leipzig, c'est ma carte de clôturé 23e journée chez Roland Allemagne. Deux premières divisions qui dominent toujours par Bayern, 52 points. Deuxième Dortmund, 46 points. Troisième Leverkusen, 41 points. Et puis quatrième, c'est Edok SC Fribourg lui-même, lui gagné 37 points qui a joué là. Donc qui déjà a joué Marseille, lui a joué, c'est quoi? C'est donc 14e qui a joué. Dans le match Fribourg en bas classement, d'abord 15e Etabelle 23 points, 16e Fribourg 22 points, Stuttgart donc 17e 19 points, et puis 18e et bon dernier, c'est donc Greuther Fürth lui-même qui donc en bon dernier dans le classement championnat d'Allemagne de première division de l'Allemagne, direction Angleterre lui-même qui a bien pour jouer. Le week-end ça, donc c'est pas la 26e journée. Donc la commencé jeudi avec plusieurs matchs. D'abord, bien bonnet matin là, West Ham Newcastle, c'est 1-1. Donc il déjà fini, c'est 1-1. Et puis là, jeudi à 10h, Arsenal Brentford, Aston Villa Watford, Brighton Albion Burnley, Crystal Palace avec plusieurs équipes de Chelsea. Li vers la position équipe Norwich City a bien et vers tout le monde de l'équipe Southampton donnant et puis l'idée qui c'est Manchester City non match choc je dis à midi 30 a gagné pour lui recevoir équipe Tottenham a bien pour clôturer ses balles un dimanche avec deux matchs de dimanche là à 9h que Manchester United a gagné pour lui déplacer avec l'équipe les United là. Et puis, Wolverhampton a été pour recevoir à 11h30 équipe Leicester, classement qui domine tout le monde par City, le même qui gagne 3 points. Deuxième, Liverpool, 54 points. Troisième, Chelsea, 47 points. Quatrième, qui est Manchester United, le même qui gagne donc 43 points. Et puis, en bas de classement, 17e, Newcastle, 22 points. 18e, Norwich City, 17 points. 19e, Watford, qui gagne classement 15 points. Et puis 20e et bon dernier, c'est bon de lui-même qui gagne seulement 14 points dans la semaine championnat d'Angleterre de première division d'Angleterre, direction Italie. Dans ce Aventou qui gagne rendez-vous pour la week-end, c'est pas la 26e journée. Et ça a commencé depuis hier avec match choc ça entre la Juventus et Torino, match qui finit. Et un cas Juventus n'est pas capable de faire l'équipe au match nul avec Torino. Et un cas Juventus, vous l'avez marqué par Matt Delay,
pour l'équipe Torinoa, c'est Andrea Bellofino qui vit pour l'équipe Torinoa. Donc c'est un à un. Il a continué jeudi, matin bien bonheur, Sandoria Lacali bat un Empoli 2-0. Pendant jeudi, il a continué avec Pes Matrix après une dernière 3 matchs. Matin en bonheur, Sandoria Empoli 2-0 pour l'équipe Sandoria. À midi, on a reçu l'équipe El Aveyronan. Et puis à 2h45, a bien Milan Campion pour débarrasser avec l'équipe Salem Itala. Il a continué même dimanche avec Vinissa avec 4 matchs, mais comme du game. C'est un lundi, à bien pour clôturer Tunisia en Italie. De lundi machin, à bien Massaio, à l'un d'abord, je vais compter qui fait une séance de basse à 6h30 de lundi machin. Venezia a pris l'équipe Genoa, c'est pas à 9h. Inter a bien voulu recevoir l'équipe Genoa, c'est pas à midi. Et puis, où Tunisia a bien voulu recevoir à 2h45 l'équipe La Genoa. En lundi, quand il a pris l'équipe Napoléon, et puis, pour la pris l'équipe Venezia en Italie, classement dominé par Milan, qui était classement donc avec Jürgen Point en plus, équipe de Milan, il a gagné 57 points, Inter 54, Inter gagné donc 2 matchs en moins, qui est l'époque aujourd'hui dans Serie A, Nap 53 points, Ligue 1 point en moins, Inter Milan qui deuxième, et puis 4ème position, c'est la Juve qui gagne dans le classement. Qui donc malheureusement pas de profiter hier pour le décal pour prendre le Gabon, Ligue 47 pour le classement, Chevrolet Italie, 2 premières divisions. Et en classement, Zitia Gabia avec 21 points, exécuté avec Venezia, 19e Genoa, 15 points, et puis 20e, c'est Salen Nitala lui-même qui gagne 13 points dans le classement, c'est à Chevrolet d'Italie, 2 et premières divisions. On a fini avec l'horizon en Europe. Dans cette année, c'est pas en Espagne. Je vous disais, Andy, qui gagnez-vous dans le Kintatou avec une nouvelle journée. C'est pas la 24 minute qui vous les billets avec victoire L chez sous. Avec le canot 2 goals à 1. Il a continué de dire, bien pour le matin, le Canada lui-même la Cali, l'icône de la Cali, 3-1 devant l'équipe de la Real. Il a continué de dire à 10h avec Atletico avec le soir équipe aux Osasuna. Quand ça fait voir et puis la Atlantique Merengueyo qui c'est le Real Madrid qui a été brisé par l'équipe à l'Espagne à 3h. Donc c'est pas le Real qui a été brisé par l'équipe à la restant. Il y a continué demain samedi à 8h. Si il y a besoin de débarquer par l'équipe, il sera le Barcelone. Andy Valence a bien pour recevoir FC et Barcelone. Ça va être un match choc. Valence-Barcelone. Et puis Real Betis a bien pour recevoir l'équipe Mallorca. Atletico Bilbao après son équipe. Toujours dans les gars, Atletico après Atletico, les mêmes lits et perdus, donc les rendez-vous aussi par le week-end ça, mais comme tout, et Andy Pagé était pas le demain dimanche à Moutitre, Real, Betis a bien pour lui, c'est l'équipe, Mallorca, et puis Atletico Bilbao à 3h après son équipe, Real Sociedad, mais il y a conclu, je ne sais pas, c'est pas lundi à 3h. C'est la principale équipe Levante, classement nominé par le Real Madrid qui gagne le classement avec 54 points. Deuxième, Séville, qui gagne le classement 50 points. Troisième, Real Betis, qui gagne le classement 43 points. Et puis quatrième, Villarreal, qui gagne 39 points. Ex-aequo avec l'équipe FC Barcelona de même pour Atlético de Madrid. Donc, il y a le même qui gagne des points de Quinta. Donc, classement capable de modifier après le ministère principal en lundi. Donc c'est un peu ça qui gagne dans la programmation 5 majeurs en Europe. Donc on passe à bien classement la modification principale pour lundi, donc dans le prochain sorti émission de le sport. Donc nous sommes là pour jeudi et pour ce semaine ça. Donc nous sommes contents avec vous. Pendant ce semaine ça, nous avons la principale pour lundi avec notre émission de le sport. C'est pas avec Kenzi François. Nous sommes contents avec vous. Et nous là, bye à tout le monde. Bon samedi, bon week-end. Nous et moi. Bonjour tout le monde, bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Encore une fois, nous comptons avec vous. Jeudi, qui c'est samedi 19 février 2022, l'occasion, 6e et dernière sortie d'émission Paola. Rendez-vous Sport, ou bien sur la plateforme ça, faire nous live news, faire nous estimer tout le monde qui est avec nous déjà à bord. Merci et surtout, pas oublier. Partager live. Je dis c'est samedi, donc c'est pratiquement dernier jour
Dans ce moment, une semaine qui était vraiment surchargée avec un plein d'informations sur la question sport, spécialement sur le football. C'est une émission qui est très très spéciale puisque c'est une émission qui a gagné pour les clôturer ce moment dans l'information sport, sur Fernando Live News, avec Fernando. Estimé, c'est une semaine qui était vraiment chargée avec l'information sur le sport, football, donc en Haïti et surtout à l'étranger. Et si nous voulons faire quand même un résumé des qualités de la semaine dans le football là, nous ne pouvons pas parler de l'évaluation qui a avoir avec Cavani qui était vraiment et donc dénoncé officiellement et donc participation dans la question leader championnat de CACAF. Nous connaissons déjà Cavani même qui n'a pas une visa pour effectifier. Donc il était obligé qu'on l'aide avec donc CACAF pour te faire part de donc Andy et Jean pour capable aller coller autour des compétitions. C'est là que ça devait faire un peu la pile la presse ici. Cavani lui-même qui était à l'école, donc c'était un peu nouvelle la prochaine dans le football haïtien. Donc ça te quittait quand même un goût amer, donc un mauvais goût, un tas de noir pour le football haïtien, puisque nous connaissons qui est ici. Donc le football lui-même lui demandait un pile moyen, lui demandait un pile dépenses, donc à tous les niveaux. Donc nous avons compris qui nous fait tout ça, nous connaissons pour le football compétition nationale et puis nous arrivons. Pour dire que les gens ne peuvent pas aller pour causer qui va revenir dépendre eux-mêmes. Donc c'est vraiment un barrage inacceptable, mais quand même c'est une réalité. Nous sommes obligés d'accepter. Donc c'était un peu ça qui a gagné en Haïti et dans le football pendant ce même temps. Donc rapide vite, donc le printemps, sans printemps, nous dépassons des questions Cavani arrivé dans la sélection haïtienne de football là, équipe haïtienne là, qui est beaucoup de femmes. Donc c'est un travail engagé dans la question éliminatoire et Coupe du Monde pour 2023. Donc bon côté mesdames. Donc c'est un match avant hier, c'était jeudi. Donc Haïti Honduras, c'est vous-même qui était donc en match. J'étais démarré dans le pays ça. C'était donc un début pour les Belges qui vous-même malgré nous connaissons moins ici par répondre. Donc nous connaissons ici tout bas les moules du temps. Le football n'est pas réussi même, bon côté casse, bon côté forme. Voilà, le même livrement, pas envie et malgré ça, quand même, Haïti était obligé d'aller donc, entamer campagne ça, campagne éliminatoire, Coupe du Monde. Bon côté, mesdames, Haïti lui-même, tu es comment tu parles de bon, donc en plus, les joueurs qui sont ici à l'étranger, surtout en France, tu as parlé de Yamon Désir, donc avec autant de joueurs qui viennent dans l'équipe ça, et malgré quand même, l'absence de Moutapo Comentina, qui est une joueuse importante dans l'équipe ça, dans l'équipe très roumaine. Donc, ils sont joueurs qui quand même passé une présentation. C'est un monde qui était dans les choses qui était double buteur, avec double buteur pour qu'il va essayer dans la Coupe du Monde. Qui c'est un joueur qui vraiment gagne en pile bagaille devant lui. Donc, malheureusement, Tabal absent dans le groupe ça. Et malgré absence c'est comme on dit là. Donc, Haïti quand même arrivé, donc fait un bel début. Donc, quand même, un bel début pour qu'il va essayer là. Et malgré préparation et donc qui pas vraiment insuffisant pour l'équipe ça là, mais l'arrivée quand même fait forte impression devant l'équipe pour dire qu'elle bat 6 goals à 0. Donc Haïti quand même t'es fait un bon début, parce que c'est ça important dans la compétition. Donc je pense que c'est ça quand même dans ce moment dans le football haïtien. Donc c'était donc le début, donc on dit remarquable de l'équipe haïtienne en campagne éliminatoire Coupe du Monde et donc Australie 2023. Donc Haïti a gagné donc équipe et on dit ça 6 goals à 0. Donc en plus on a posé la question, donc qui ça Haïti va bailler puisque Haïti football pas joué et c'est bien ça que ils ont eu ici pas de match en départ pour équipe ça. Donc avec quand même un coach français qui c'est donc c'est Nicolas Delphine qui est même c'est même cap dirigé et tout ça. Donc c'est une préparation quand même qui va être faite et tout on a posé la question. Est-ce que Haïti est capable de battre l'équipe Honduras et continuer avec préparation, compétition pour arriver à jouer pour du monde donc non et de catégorie ça. Donc c'est senior, donc c'est beaucoup de femmes. Donc Haïti lui-même, qui s'appelle longtemps, a cherché une place qualificative pour la Coupe du Monde donc non et senior, puisque nous faisons en 2014, mais c'est du passé quand même, puisque son pays comme ça Haïti. Donc, tout ça qui fait passer nous, tout ça qui est bon, donc obligé à l'histoire. Parce que la Coupe du Monde, longtemps, ça a dans la même. C'est vrai, dans la catégorie junior, nous faisons, et avec 17,
Et donc, pour défendre, nous faisons tout, mais c'est la catégorie junior. Maintenant, pour un petit senior, donc, ce n'est pas ce qui vraiment a cherché, et ça fait longtemps. Et ça, tu es questionné donc, autour de ça, dans la semaine de ça. Donc, qui est Haïti à faire une réparation donc, suffisant pour être capable de venir en place qualificative pour la Coupe du Monde? Donc, senior. Donc, parce que ça a été une tournée encore sur ta table comme question. Puis Haïti lui-même, football n'a vraiment pas joué pendant les tout ça, parce que nous connaissons ici, football n'a pas joué. Tout le monde a été dans le pays, ça, ce pays qui n'a pas marché à tous les niveaux. Donc, football là, Haïti n'a pas réalisé un match ici. Nous sommes obligés à réaliser un match, c'est dans Félix Sanchez, en terre voisine, un stade olympique, un stade qui est capable de prendre, on va le dire, 35 000 personnes. Donc, c'est là, Haïti lui-même, tu as gagné pour lutter, recevoir équipe, on dira ça. Donc, on peut pas quand même réussir pour les Haïtiens, parce que les pas, on dira ça. 6 goals à 0 avec plusieurs joueurs qui étaient marqués parmi eux. Il y a Chelsea, il y a Borgela, donc Cherby, je dis c'est autant de monde qui étaient buteuses pour l'équipe haïtienne. Donc Haïti, quand même, dans le match, il fait au début quand même réussi puisque il bat Honduras et 6 goals à 0, mais parallèlement, il y a un coup de coupe donc qui bat lui-même, il bat les Argentines 3 goals à 0. Donc, dans le groupe ça, qui a 4 équipes, qui a gagné Haïti, Honduras et Cuba, et puis cette version. Donc, Haïti lui-même, avec la victoire sur l'équipe, Honduras a 6 à 0. Donc, Haïti a gagné 6 à 0. Donc, l'équipe de classement et groupe Ayam Zoulan, le devant Cuba, à Cuba a gagné 3 points, avec 3 points, donc, une victoire 3 à 0. Et puis, et Honduras, et puis cette version. Donc, Haïti a gagné un niveau principal pour 2018 prochain, à compter de. Et 2h50 pour deuxième match face à l'équipe Saint-Vincent. Et parallèlement à bien, donc, on dira face à l'équipe Kiba. Donc, c'est classement groupe EA qui a continué dans le cadre de la campagne éliminatoire et Coupe du Monde pour 2023. C'est surtout un peu côté dans le senior. Donc, c'est pas là, dans le pays, Australie. Et donc, et de Haïti, on a pris en direction, et donc, en Europe, en étranger, pour nous parler. Et donc, et ce championnat 5 majeur en Europe. Donc, comme toujours, les samedis, il y a ce championnat majeur. Nous connaissons qui toujours actualité pendant le week-end, mais parallèlement, pendant la semaine, donc avant nous revenir dans 5 majeur, il y a un résumé bref. Donc, question Ligue des Champions, il y a aussi Europa League. Ligue des Champions, il y a 4 matchs pendant la semaine, nous avons bien défini, et il y a Europa League. Donc, c'est ce qui va commencer pendant la mi-temps semaine. C'est qu'il y a aussi quelques matchs dans le championnat en Europe. Donc, pour y aller dans le cadre de 5 majeurs pendant un week-end. Donc, le week-end est un tout week-end. Il y a un pile match dans la programmation 5 majeurs en Europe. Et ça a commencé depuis hier avec plusieurs matchs qui ont déjà commencé à jouer. Donc, pour nous, il y a une programmation 5 majeurs. On a commencé d'abord en France, dans Ligue 1. En France, et après, c'est pas la 25e journée de la France. Et ça a commencé hier, depuis vendredi hier, là, avec un match avancé dans la journée. Ça. Hier, le match avancé, Lille fait un match nul vierge, 0-0 avec Metz. Ça a commencé depuis hier. Et a continué jeudi avec deux matchs. D'abord, jeudi à 11h, Lens a recevoir l'équipe olympique Lyonnais. Et puis, Nantes a bien pour recevoir Paris Saint-Germain à 3h. Paris qui était sur victoire sur Real Madrid 1-0, c'est la réponse de personne. Paris a gagné pour les déplacer à Juventus, Kainan. Donc, les protéger des Hantes, pour qu'ils nous même après pour les déplacer. Donc, eux-mêmes qui sont leaders en Ligue 1, après pour les déplacer à Juventus, Kainan, équipe maintenant. Et puis, un dimanche, il y a un autre match après pour clôturer Juventus, dans le championnat de France. D'abord, dimanche, nous avons reçu l'équipe Angela, Lorient a reçu l'équipe équipe Montpellier, Stade de Reims a reçu l'équipe Saint-Victoire, toujours à bien Stade Rennais a bien voulu recevoir le dimanche dans Troyes, dimanche a gagné Strasbourg a bien voulu déplacer avec l'équipe Sélection. Bordeaux a reçu l'équipe Monaco et puis Marseille a gagné et donc pour lui recevoir Clermont. Donc c'est ma clôturé. Avant de dire ça, Paris est toujours en tête avec 59 points. Trendel et Marseille 46 points. Troisième Nice 42 points en position. Quatrième Strasbourg lui-même a gagné
41 points en bas classement. D'abord, 17e Lorient, et c'est 21 points. Et c'est quoi avec Saint-Étienne, 19e Metz, 20 points. Et c'est quoi avec Girondins de Bordeaux. Voilà le classement, chez la France, de la première division de la France, direction Allemagne, dans la Bundesliga. Allemagne, cap dominé par Bayern Munich. Après tout, pendant le week-end, ça, c'est quoi la 23e journée. Et ça a commencé depuis hier avec Victor Mahrez, 3 goals à 0 sous équipe Bayern Leverkusen. Il a continué jeudi samedi avec environ 5 matchs. D'abord, jeudi, a gagné et a mis la Benfica contre l'équipe Union Berlin. Et donc, il finit déjà, il jouait c'est 0-0. FC Augsbourg, la Rallye, il est perdu 0-1 devant l'équipe SC Fribourg. Matin toujours, Macabre, Wolfsburg, Venheim 0-0, Stuttgart contre l'équipe VFL Bochum, c'est 0-0, et puis Cologne, Eintracht Frankfurt, c'est pas à midi 30, donc c'est pas pour jeudi à la Bundesliga. Et puis demain, dimanche, il y a bien 3 matchs à clôturer, 23e journée, championnat d'Allemagne, de première division. D'abord demain, Bayern a recevoir l'équipe Greta Fortuna. Donc, on a recevoir l'équipe Bonne Machine Galbacha et puis Etabellin a gagné pour lui recevoir RB Leipzig. C'est donc avec le clôturé 23e journée chez Roland Allemagne. Deux premières divisions qui dominent toujours par Bayern, 52 points. Deuxième Dortmund, 46 points. Troisième Leverkusen, 41 points. Et puis quatrième, c'est donc SC Fribourg lui-même, lui gagné.